voulais vous dire merci. Merci, merci. Merci pour cette belle mobilisation. Merci beaucoup. Aujourd'hui n'est pas un jour pour faire des discours. Nous sommes là pour faire la fête, pour célébrer la victoire de notre champion, le président Alassane Ouattara. Je voudrais, au nom du président, au nom de toute la direction de campagne, saluer la contribution exceptionnelle des femmes. Bravo! Bravo à toutes les femmes, les mamans, les jeunes sœurs, les grands mamans, tout le monde s'est mobilisé, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, pour Ado. La force d'Ado, c'est vous. La puissance d'Ado, c'est vous. La force d'Ado, c'est les femmes. La puissance d'Ado, c'est les femmes. Pendant tout son combat politique, il a eu toujours devant lui une femme, Madame Henriette Dagui-Diabaté. À côté de lui, une petite sœur qui n'a jamais failli. Elle a gagné toutes les batailles. La Perret, la vieille Camara. Il a eu derrière lui, au-dessus de lui, avec toute la bénédiction du ciel en pareille circonstance, le soutien, l'affection, la baraka de sa maman, Aga Mabuku Sissé. Les femmes ont tout donné à Ado. Les femmes ont tout fait pour Ado. Merci. Je veux saluer la Perret nationale, cher grand sœur Candia, bravo, bravo, bravo. Tu as veillé sur le président comme on veille sur son père, sur son grand frère. Si tu veux toucher à Ado, si tu veux parler mal de Ado, il faut le faire très loin de Candia. Sinon, qui que tu sois, qui que tu sois. Et c'est ce même soutien, cette affection puissante que tu as donnée à ton frère, père à son âme, le Premier ministre Amadou Bokou-Libanais. Et aujourd'hui, tu me portes ce soutien. Je te l'ai toujours dit, tu as créé autour du président un esprit de famille. Merci. Merci, Premier. Saluer mon ami, mon frère, Adama Togo. Adama, Adama, je le dis sincèrement, tu as porté la renaissance du RNDP, tu as porté la victoire, tu as porté le combat avec le MNC, partout, on t'a vu, sur le terrain. Quand le président confie une mission à Adama Togo, il arrête tout et il se donne une obligation de résultat et il réussit. Ensemble, on peut lui dire bravo. Chères femmes, c'était ça le message du président. Vous remercier du fond du cœur et vous dire, il
va continuer à travailler pour vous. Il va continuer à faire en sorte que les femmes de Côte d'Ivoire vivent mieux. Comme il a fait avec le FAFSI, avec tous ces projets qui permettent à la femme d'être à l'honneur, qui permet à la femme de vivre dignement. Je vous ai dit, en plus de ça, un petit quelque chose est bien parti. Les gens ont toujours sous-estimé Ado. Les gens, toujours, ils s'amusent avec Ado. Ils ont dit, Ado ne sera pas candidat. Il a été candidat, il les a battus. On va pas pouvoir développer la Côte d'Ivoire. Pendant 9 ans, Ado a développé la Côte d'Ivoire comme personne de la terre. Ado a dit, il passe la main à une autre génération. Ensemble, vous êtes témoins que nous avons choisi au mois de mars, le 12 mars, paix à son âme, le Premier ministre Amadou Bongo. Il a mis en sa vision de transfert. Mais dans la vie, Dieu vous envoie aussi des symboles. Il vous envoie des signes. Dieu a voulu reprendre votre frère pratiquement à une semaine du début de l'opération de parrainage. Et nous lui avons demandé de ne pas voir lui-même ce qu'il veut faire, mais de voir l'intérêt du pays, d'être candidat. Il a beaucoup hésité, mais il a regardé l'intérêt du pays et il a accepté d'être candidat. Ils ont dit ici, sur les réseaux sociaux, dans les journaux, à l'étranger, il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. On n'a rien dit, mais vous êtes témoins, on a parlé quelque part, on a eu des élections en Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait, ils ont tout essayé pour empêcher, vous intimider, vous faire peur, vous blesser, vous tuer parfois. Il n'y a pas de réélection. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Ils ont tout essayé. Ils ont pris des petits militaires pour parler. Ils demandaient aux militaires de se soulever. Ils demandaient aux militaires de faire un coup d'État. Les militaires ont dit on fait rien, on est avec Ado. Essayer de créer un comité de transition. Mais mes chères soeurs, comment vous écoutez la télévision? C'est quand on fait coup d'État qu'on crée un comité de transition. Mais il n'a pas fait un coup d'État, il a créé une transition. Donc, cette transition, c'est la preuve. Préparer un coup d'État. Et ils ont échoué. Ils ont échoué. Parce que Ado a votre baraka. Ado a votre bénédiction. Ils ont tellement effrayé les gens qu'on a beaucoup de compatriotes qui ont préféré prendre leur famille pour aller à l'étranger, aller se cacher. Tellement ils avaient peur. Voilà des gens qui portent la terreur. Ça veut dire que quand eux, ils lancent un mot d'ordre, ça se termine par le sang, par la mort, par la violence. Ils lancent un mot d'ordre politique et à la fin, c'est la souffrance du peuple. C'est que tu n'es pas un politicien qui aime ton peuple. Thank you.
ce modèle. Ça finit par la joie, la paix, la paix et le bonheur du peuple ivoirien. Maintenant, il va échouer partout. Il va échouer partout. Toute la tentative de déstabilisation à tous les niveaux a échoué. Maintenant, ils ont décidé de prendre un cabinet de lobbying, un cabinet de presse pour dénigrer la Côte d'Ivoire et le président Ado. Depuis quelques jours, chaque matin on se réveille, la Côte d'Ivoire a fait ceci, la Côte d'Ivoire a fait cela. Là, on va leur dire, vous pouvez écrire tout ce que vous voulez, mais la Côte d'Ivoire sera la Côte d'Ivoire. Ça se passe ici, c'est ici, c'est pas là-bas. Nous, on parle pas de vous, mais nous, on aime Ado. Le tribunal de les Ivoiriens aime Ado. Vous allez monter, descendre, cette donnée ne changera pas. Donc, ils ont commencé à financer. Les journalistes, et bientôt, je vais vous donner la liste et les mécanismes de financement. Financer des journalistes, vous dénigrez la Côte d'Ivoire. En général, quand on prend un cabinet de communication, c'est pour faire la promotion, c'est pour promouvoir, c'est pas pour dénigrer. Ils veulent gâter le nom de la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire est la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est vous. C'est vous qui parlez de nous, nous on ne parle pas de vous. C'est nous, on ne parle pas de vous. Donc, il va falloir savoir que la Côte d'Ivoire restera la Côte d'Ivoire, un grand pays africain. Un pays qui fonctionne. Un pays de la croissance, qui est partagé. Un pays qui est dynamique. Un pays qui est un grand carrefour. Tous y viennent de France, des États-Unis, de la sous-région, ils viennent nous trouver ici. Et que ce pays a un grand leader, un charismatique, un grand chef, un grand président qui s'appelle Alassane Ouattara. Et nous, on est fiers de lui. On est fiers de lui. Et on est heureux. Notre président, parce qu'on sait qu'il va faire des merveilles pour notre pays. Donc, il n'a qu'à économiser leur argent. Ça ne sert à rien d'aller tous les jours acheter des journalistes pour dire qu'il faut insulter la Côte d'Ivoire, il faut mentir sur la Côte d'Ivoire. Les journalistes et les grands journaux sont devenus les relais des fake news des réseaux sociaux. Jamais, ils ne pourront jamais gâter le nom de Ado, ils ne pourront jamais gâter le nom de la Côte d'Ivoire.